Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croiset. Une séquence, un majeur dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment quand on voit à quel point la réglementation fait bouger les lignes. On en a encore parlé depuis ce matin. On va faire un gros plan ce mois-ci sur la réglementation sur les fluides frigorigènes avec notamment en perspective la nouvelle version de la directive F-Gaz. Pour en parler, Bernard Philippe, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est délégué général de l'Alliance Froid Climatisation Environnement, AFCE. Donc vous allez nous parler dans un instant de cette réglementation qui est au cœur des métiers de la réfrigération, du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur. Mais d'abord, évidemment, comme toujours, quelques mots pour présenter cette Alliance Froid Climatisation Environnement. Merci de me donner la parole et de m'inviter à cette Abatis Radio. C'est toujours un plaisir. L'AFCE, c'est une association d'industriels qui date de 95. C'est une association qui regroupe depuis les fournisseurs de fluides frigorigènes, les fabricants, les fournisseurs, les installateurs, les équipementiers et également des associations professionnelles et syndicats, comme on va trouver le SNEFCA, le SINEG, le SINOV également. La CAPEB, le MGCCP au niveau des bâtiments. Et puis, on a aussi les gros utilisateurs de froid qui sont présents dans l'association. Donc, l'association est une belle représentativité de la filière du froid, du conditionnement d'air et de la pompe à chaleur réunie. On a également l'AFPAC parmi nos membres. Et ce qui donne une crédibilité importante sur les propos qu'on peut avoir, parce qu'à chaque fois, on doit trouver le bon compromis qui satisfait la filière. On a toujours eu des relations importantes avec les pouvoirs publics, notamment sur tous ces aspects réglementaires sur les fuites frigorigènes depuis des années. Et notre vocation est aussi de vulgariser ces aspects réglementaires et d'aider la filière à s'adapter. Et c'est pour ça que vous êtes là justement aujourd'hui. Alors on en arrive à ces fluides frigorigènes fluorés. La vente, la mise en œuvre, la manipulation, le suivi en exploitation de ces fluides sont réglementés depuis de nombreuses années. Alors quel bilan peut-on en tirer ? Alors, c'est vrai que cet aspect fluides frigorigènes fluorés, donc nos fluides frigorigènes sont pour certains d'entre eux avec des effets de serre indirects lorsqu'ils fuient. Donc la réglementation, c'est de prévenir, c'est limiter ces fuites. Premier point, les équipementiers, les installateurs ne sont pas là pour fabriquer des installations fuyardes, mais au contraire des installations étanches. Et donc, il y a des fluides, il arrive qu'il y ait des fuites et il faut limiter ces fuites. Et c'est le but de cette réglementation qui a été mise en vigueur en 2006 déjà. L'Europe avait mis en place une réglementation qui était en 2006, qui a été abrogée en 2014, en révision en 2014. Et aujourd'hui, on va réviser la réglementation en vigueur. Elle a été efficace. Elle a permis de diminuer drastiquement les fuites. On avait des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Il y a des usages de fluides qui ont été interdits de façon à limiter l'effet de serre qu'ils pouvaient avoir. Donc ça a fonctionné, la filière s'est adaptée. Et puis il y a un mécanisme aussi de quotas, de mise sur le marché des fluides au niveau européen. Tout ça a engendré beaucoup d'améliorations, de développement côté équipementier, de bonnes pratiques côté installateurs et techniciens. Et tout ça, c'est au bout de maintenant presque 15 ans, c'est un succès. C'est un succès français, c'est un succès européen. Les chiffres le démontrent. Donc, on a vraiment fait des beaux efforts et une belle adaptativité et des beaux efforts de la filière dans son ensemble. Donc, c'est vraiment un chemin à poursuivre. Alors justement, vous avez parlé d'émissions de gaz à effet de serre. Que représente la filière en la matière, Bernard Philippe ? Alors, les effets de serre, le principal... c'est le CO2, enfin tout ce qui est émission de CO2 direct, c'est vraiment le principal acteur qui est néfaste aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la filière du froid et du conditionnement d'air de la pompe à chaleur, en 2020, les émissions de ces fluides-là, ça représente 3% des émissions totales des gaz à effet de serre en France. Donc on n'est pas l'élément majeur, mais on en fait partie, on a notre chemin à faire, mais on pèse 3% de ces émissions. En forte décroissance. On a fait faire une analyse au CITEPAR, donc cette étude va être rendue publique sous peu, et on voit une forte décroissance au fil des années, et notamment entre 2019 et 2020, c'est 10% des émissions qui ont diminué. Donc vraiment, on est sur un bon chemin, c'est pas facile, ça demande des efforts de tout le monde, mais y compris côté formation, certification, donc il y a une prise de conscience du terrain qui s'est faite et qui continue à se faire. Donc, faut pas décourager maintenant le terrain de poursuivre ses efforts, mais la filière est là, elle a son rôle à jouer. C'est pas majoritaire au niveau des émissions de gaz à effet de serre, mais avec ces 3% là, on peut encore arriver à les diminuer certainement.
Et donc, j'étais en train de le dire en introduction, hein, cette réglementation européenne, elle est en cours de révision. Où est-ce qu'on en est concrètement? Alors, ces révisions-là sont intégrées dans les règlements. Donc, c'est prévu que les révisions soient faites de façon régulière. Donc là, on est en train de réviser le règlement qu'on appelle 517/2014 UE, qui est la F-gaz actuelle. Donc, il est en cours. Donc, la Commission européenne a fait une proposition de texte qui est parue le 5 mai. Donc, ce texte fait débat. Il y a des bonnes choses, des choses un peu moins, un peu plus inquiétantes. On en parlera tout à l'heure, je pense. Mais c'est un processus qui est long. Donc là, la commission a fait une proposition de texte le 5 mai. On peut espérer, si on se projette, un texte finalisé et une entrée en vigueur début 2024, fin 2023, pas avant. Mais ce qui est à noter, cette révision de la F-gaz, comme on l'appelle, elle s'inscrit sur plein d'initiatives européennes, toujours liées par rapport à cet objectif climat. Et s'inscrit dans le Green Deal, et s'inscrit dans le Fit for 55, je prends les mots qui sont utilisés par la Commission, et puis tout récemment le Repower Europe, qui est cette initiative au niveau européen qui tente à vouloir redonner de l'indépendance à notre énergie. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine, et on en parlera un peu plus tard également de ce. C'est un ensemble qu'il faut réagir et non pas raisonner révision par révision. Exactement, dans une démarche globale, on va dire, d'enjeu de souveraineté. Alors, vous avez commencé à en parler. Quels sont les éléments qui ressortent de cette proposition de texte? Il y a des éléments favorables et d'autres qui sont plus inquiétants à vos yeux. Oui. Donc, on partage avec d'autres associations professionnelles et également la filière. Le texte qui est proposé, c'est une continuité du texte déjà en vigueur. Donc, on est toujours sur deux piliers au sein de cette réglementation-là. Il y a deux piliers. C'est un, prévenir les fuites et favoriser les bonnes pratiques. Donc ça a amené à faire des certifications, ça a amené à faire des contrôles d'étanchéité réglementaire et bon an mal an, ça a bien amélioré la situation. Le deuxième pilier de la réglementation F-gaz, c'est limiter l'usage. Donc limiter l'usage, c'est limiter la mise sur le marché de fuites frigorigènes, c'est limiter également certaines ou interdire certaines applications ou certaines technologies en fonction des fuites utilisées. Donc ces deux piliers-là sont toujours présents dans le texte. Donc il y a des dispositions bienvenues et d'autres un peu plus inquiétantes. Dans les dispositions favorables, c'est notamment au niveau formation, certification. La Commission souhaiterait que les certifications et formations des techniciens soient étendues à l'ensemble des fluides frigorigènes. Aujourd'hui, nous avons des obligations de formation, certification sur tout ce qui est fluide fluoré, donc des HFC pour résumer. Mais il n'y a pas d'obligation de formation, certification sur les fluides alternatifs qu'on va appeler hydrocarbures, qu'on va appeler ammoniac, qu'on va appeler CO2. Ces fluides-là ont leur place dans la palette des fluides possibles, dans la palette des applications, mais il n'y a pas de formation, de certification aujourd'hui autorisée. Et il en existe, mais il n'y a pas de référentiel. Mais c'est un point intéressant qui est rajouté, c'est que il est demandé que ces formations soient étendues à l'ensemble des fluides. Dans les points favorables aussi, l'intégration, ce qu'on appelle les fluides HFO. On connaît bien le mot HFC. Les HFO, ce sont des nouveaux fluides fluorés qui sont à très faible impact effet de serre, pour certains inférieur à 1, donc mieux que le CO2. Et ces fluides-là étaient en dehors de la réglementation, donc on les intègre et c'est pertinent parce que il n'y a aucune raison que ces fluides-là soient laissés à libre usage et si je caricature, on pourrait dans ces cas-là les laisser fuir comme on voulait. Et il y a une imposition d'avoir un meilleur suivi des mouvements de fuites frigorigènes également en intégrant ces HFO. Et il y a une volonté de la Commission de pousser les États membres aussi à améliorer tout ce qui est côté récupération, régénération, destruction des fluides. Donc éviter toutes ces émissions-là et éviter des mises sur le marché qui ne seraient pas nécessaires. Sur le sujet récupération, retraitement, régénération, la France est un excellent élève. Hein, juste pour mémoire, dès 93-92, la France avait mis en place une filière volontaire de la récupération des fuites frigorigènes et c'est un bel exemple qui perdure aujourd'hui. Dans les points favorables, alors quand il y a une réglementation, il y a toujours des gens qui cherchent à la détourner. Et on a vu aussi avoir pas mal de trafic illégaux de fuites frigorigènes à nos frontières. Et donc c'est plus ou moins dur à capter, et il y a des belles améliorations en cours, mais il y a une volonté de la Commission que les États membres s'organisent et soit fédéré, un peu plus fédérateur entre eux sur la chasse aux illégaux, et ça c'est un point très très favorable. Sur ce point-là, juste une parenthèse, la France a mis au point, et ça c'est j'en félicite la DGPR, au ministère de l'Environnement, a mis au point
un système de traquage des annonces frauduleuses sur les sites de vente qu'on peut connaître, hein, ce qu'on appelle les marketplaces, mais sur ces sites de vente en ligne, Bon.com, eBay, etc., Amazon, ils ont un système traquage automatique d'annonces sur le flux de fluorogène fluoré. Et ça a été fait en collaboration avec les trois plateformes que j'ai citées là, et c'est en train de faire son chemin. Donc les annonces sont éliminées au fur et à mesure. Donc pas mal Donc, de points bon. favorables. Alors il nous reste 5 minutes à peu près, Bernard Oh, Philippe. Donc pardon, il je faut quand vais. même souligner les points inquiétants. Je sais, vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est la difficulté de l'exercice. Alors les points inquiétants majeurs que vous voyez, vous n'êtes pas le seul, hein, j'allais dire, vous l'avez dit, il y a d'autres associations, et en les détaillant un petit peu. Alors il y a un point très inquiétant, c'est la mise sur le marché des flux de fluorogène. Aujourd'hui, ils sont limités par un quota qui est exprimé en tonnes équivalent CO2. Aujourd'hui, la commission propose une pente de réduction. C'est énorme. On passe d'une piste bleue à une piste noire pour les skieurs. Et cette pente-là est inquiétante puisque les projections qu'on a pu faire, ça voudrait dire que dès 2027, le quota de flux de fluorogène fluoré qui resterait suffirait uniquement à entretenir la base, c'est-à-dire à entretenir le parc installé. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de place pour les équipements neufs avec les flux fluorés. Donc ça, c'est très dangereux et ce calendrier est proposé est totalement irréaliste et forcément à réviser. C'est un point qui est partagé par l'ensemble de la filière et que ce soit au niveau français et européen. Il y a un point autre important qui est les interdictions de mise sur le marché. Donc la commission voudrait brider certaines solutions sur des pompes à chaleur et notamment en dessous de 12 kilowatts. À savoir que les pompes à chaleur niveau puissance, le résidentiel, une maison neuve, c'est 4-6 kilowatts, la rénovation, c'est 8 kilowatts. Donc on vient cibler un secteur d'activité où on va venir limiter, si on suit le texte aujourd'hui, les solutions disponibles pour le marché. Il faut mettre en parallèle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a Repower Europe qui va faire exploser le monde de la pompe à chaleur. On voit la RE 2020 qui est déjà la RT 2020 qui demande à avoir des pompes à chaleur partout. Et là, la Commission vient brider cette évolution. Donc, c'est un danger important. Donc, c'est deux points majeurs, c'est-à-dire on vient brider des solutions techniques qu'on voudrait mettre sur le marché pour décarboner l'énergie, et on vient également limiter la disponibilité des fluides fluorés qui viendraient. Quelque part, c'est même plus une réduction de mise sur le marché, mais ce qu'on appelle un phase out au lieu d'un phase down. Donc vous estimez que la Commission devrait avoir finalement une approche plus globale, hein, de la situation sur ces sujets-là? Absolument. Ce qu'on veut tous, c'est décarboner l'énergie, c'est limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On peut pas raisonner dans son petit coin simplement F-gaz. Il faut voir une vision globale de l'ensemble de ces initiatives qui sont louables et vertueuses. Et donc revoir ces deux positions qui sont la mise sur le marché des flux fluorogènes et également de pas brider les technologies des pompes à chaleur, quoi. Sachant qu'on Alors, on a peut un pas décarboner contexte, l'énergie. oui, Il sachant faut qu'on être a un vigilant aussi. contexte qui n'est pas très simple non plus, hein, puisqu'il y a une pénurie de composants, il y a un manque de main-d'œuvre aussi qualifiée que vous dites, hein, que dit Oui. l'Alliance. Absolument. Juste un petit point, c'est que le monde du froid et du conditionnement d'air, il est énorme. On le trouve dans le bâtiment, bien sûr, dans le résidentiel de tertiaire, on le trouve dans l'industrie, on le trouve dans le transport, on le trouve chez nous en résidentiel. Enfin, on le trouve partout. Et la mise sur le marché que je mentionnais tout à l'heure touche toutes les activités, bien sûr, et c'est très dangereux. Et il y a des points cruciaux, notamment pour le transport aussi, c'est dangereux. Et il y a des problèmes conjoncturels aujourd'hui pour l'industrie, hein, on voit la R&D et les importations sont un peu figés par rapport à cette situation de la crise en Ukraine qui a fait que les approvisionnements se trouvent coincés. Donc comment s'adapter? La main-d'œuvre qualifiée, hein, que ce soit au niveau des frigoristes, des énergéticiens, trouver des bons techniciens pour installer des panneaux, aujourd'hui c'est un vrai problème. On a besoin de main-d'œuvre et on ne sait pas comment la trouver et la former. Et en plus, cette révision de réglementation ne doit pas engendrer de coûts additionnels inutiles pour l'industrie. C'est vraiment une approche holistique qu'il faut avoir lorsqu'on révise cette réglementation-là. Donc vraiment, c'est ensemble trouver la bonne solution et pas confondre vitesse et précipitation, si je peux utiliser cet adage courant. Mais c'est un peu ça aujourd'hui. La Commission, telle qu'il veut imposer ses contraintes, c'est aller trop vite, et aller trop vite, ça peut décrédibiliser aussi les choix et décourager certaines actions. Et donc, un dernier mot, alors quelles sont les actions à suivre justement pour la FCE dans ce contexte? On vient de poster notre position et analyse au jeu cette semaine. Donc, on a déposé auprès de la Commission européenne et autorités françaises. Donc, elle est téléchargeable sur notre site LinkedIn. Travailler avec les partenaires européens, on travaille avec nos confrères européens sur le sujet parce que ça se passe à l'Europe aujourd'hui et ça intègre aussi des parlementaires.
les pouvoirs publics français. On travaille beaucoup avec eux, que ce soit côté des directions générales des entreprises, la DGPR à l'environnement, la DGEC. On a aujourd'hui une écoute et un partage assez constructif, donc c'est toujours intéressant. Et ce qu'on fait aujourd'hui, donc, c'est informer la filière et ensemble partager nos soucis et proposer également des solutions qui soient atteignables. Voilà, et vous en parlez aussi ici, donc un sujet important à porter. Merci à vous Bernard Philippe, donc délégué général de l'Alliance Froid, Climatisation, Environnement, merci pour beaucoup. Ce zoom hein, sur la réglementation sur les fuites frigorigènes fluorées qui avance. Et évidemment, on suivra ça de près sur Bâti Radio. On va poursuivre à présent merci. Avec la séquence des métiers d'avenir.